Let me call Megan real quick. Hey, you got Megan number? Come on, Jason Lee. Don't play with me. Come on. She got an answer. Hey, on me, I've been wanting to take her on a dinner. I want to get like some roses planned. Like, I want to do like some real. So I never did before but for Megan Good. You know, I could be a preacher, all that. What else you want me to be? Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous avez déjà le pied à la fois. N'hésite pas à t'abonner, tu sais déjà, mets un petit j'aime pour ceux, pour la famille, mets un petit j'aime pour ceux qui ont l'habitude de me suivre. Je m'appelle Jonathan Hachi, l'idée de la chaîne c'est pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action pour créer ta vie sur mesure. Comme tu le sais, il y a deux choses que je te propose, mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20 000 € en une semaine, c'est gratuit, c'est offert avant de créer la lac, regarde. Et deuxième chose, c'est ma formation Pirate Marketing où je te montre les stratégies pour atteindre minimum les 5 000 € par mois. Dedans, en plus, j'ai rajouté en plus de Pirate Marketing des bonus complémentaires faits par différents experts. Donc, il y a un bonus sur l'e-commerce, sur le personal branding, sur investir dans l'immobilier, investir dans la crypto. Ok, plein d'autres choses. Et quand tu vas passer par ton CPF, tu auras aussi accès à l'incubateur qui te donne accès à un bootcamp, etc. Bref, tu veux en savoir plus? Il y a trop de choses en fait. Tu veux en savoir plus, boum, tu cliques sur le lien dans la description, tu peux avoir un rendez-vous offert gratuit, ok, et tu pourras poser toutes tes questions avec un membre de mon équipe formé sur le business. Et après, si tu passes à l'action, sache que ça prendra du temps, que ce sera long, ce sera dur, tout ce que tu veux. Ça prend 2 à 5 ans pour pouvoir devenir libre, indépendant financièrement plutôt. Donc voilà, c'est pas magique, c'est pas du jour au lendemain. Par contre, c'est sûr, si jamais tu fais rien, va rien se passer. J'ai grandi à Évry dans 91, j'ai redoublé mon BEP pétrotechnique. Donc dans le quartier des Pyramides, on a grandi. J'ai découvert le business en ligne super tard, j'avais plus de 30 ans. Et voilà, ça fait plus de 3 ans que je rage. Ça s'est pas fait tout seul. On a charbonné. Il y a les autres qui se plaignent toute la vie. Et il y a ceux qui passent à l'action. Je suis allé ton camp. Et passons directement au sujet de la vidéo. Donc, petite vidéo, parce que souvent je vois des débats dans les commentaires. Oui, toi t'es un bêta, toi t'es un alpha, toi t'es ceci, toi t'es cela. Pff, oh là, calmez-vous les gars. Donc là, j'ai trouvé une étude des cas. Voilà, une étude des cas d'exactement ce qu'il faut pas faire lorsque tu es intéressé par une femme. Ok? Donc, je vais regarder la vidéo. This next person is an entanglement you may want or not want. Jada Pinkett Smith. Respectfully pass. Because she's married. Yeah, man. You can't do that. And you don't want to get punched at the Grammys. Okay. I fight back. Man. I know. Don't let the meditation fool you. All right. This next one, she's recently single. Megan Good. Man, I was waiting on her. Yes, man. Like, listen. Let me call Megan real quick. Hey, you got Megan number? Come on, Jason Lee. Don't play with me. Come on. She got an answer. Hey, on me, I've been wanting to take her on a dinner. I want to get, like, some roses planned. Like, I want to do, like, some real. So I never did before but for Megan Good. You know, I could be a preacher, all that. What else you want me to be? Megan. Hey, who's this? This is Jason Lee. This is my other phone. But I'm literally sitting here filming my show right now. I'm filming right now with a rapper who just said your name. We're playing a game called Smash or Pass. I put up Megan Good and he almost fell out of his chair. Everybody else has been getting passes. What? Say hello to NLE Choppa. He hasn't given me this much energy the whole interview, but now I see every tooth in his mouth. Hi. Hey. Hey, how you doing, Meg? How are you doing? I'm extremely blessed. I was just telling, she hung up. Let me see. Her phone died. No, it got disconnected. Megan wouldn't do that. Not after blessed. She said, hey, phone died. Look at God. God said, oh no. Oh, God said, I shall restore you. Hold on. Hello? Hey, wait, sorry, that's my mother breaking through. Wait, listen, the phone died. I said, look at God intercepting the call. And then when you called back, I said, look at, he will restore you. Hold on a second. Let me do this again. Hey, how you doing? I'm doing good. I thought you hung up on me. No, I did not. My mother was calling and I was trying to tell her, like, I would, you know, call back and then it ended it. And I was like, no. So. Pretty much, I was saying that you was pretty much back on the market. I wanted to do something real sweet for you. I don't know. I didn't want to give you too much because I wanted it to be a surprise, like roses and dinner, something like that. But nice. I'm going to pray on it, though, because I don't know if that's far reach or not. She's going to cuss me out in a Christian way when we get done with this call. I'm all for the praying about it, though. Yeah, I'm strong on prayer, extremely strong. You know, I've actually been praying
to meet you. You know, and look at God, how he just blessed you right now. That's why I got that excited. Hilarious. But yeah, it's NLE Chopper. I just wanted to say, hey, if you don't know too much about me, you can look me up. Yeah, I'm about to right now. Okay. It's nice to meet you. Nice to meet you too. You have a blessing. Let me say bye to Megan. All right. Thank you. Thanks, Megan. Bye. See, we it happened over here. Yeah, my baby. Now, if I would have known that this was the energy I would have got, we could have called Megan at the top of the show. Donc voilà, ça c'est un parfait exemple de exactement ce qu'il ne faut pas faire. C'est ce qu'on appelle simping. Voilà, maintenant tout le monde a la définition. Maintenant qu'on va parler de simp, oui, lui c'est un simp, lui il simping. Là maintenant on sera tous au courant. Donc simping, est-ce que bêta et simping c'est à peu près la même chose en vérité c'est, on va dire ils sont cousins. Frère, cousin, c'est à peu près la même chose, ok? Donc là, maintenant, on a un exemple, les gars. Maintenant, vous savez c'est quoi ça veut dire sipping. C'est pour ça que souvent, tu peux voir des vidéos où on dit « Ouais, les gars, soyez pas gentils, etc. » C'est parce que quand le gars, il pense dans sa tête être gentil avec les femmes, il va penser comme ça « Ah, je vais lui acheter des roses. Ah, je vais faire ceci, je vais faire cela, etc. » Ça ne fonctionne pas, en tout cas, pas dans un premier temps. Je vais pas dire qu'il faut jamais le faire. Hein. Une fois que tu vois que la femme, là, elle est intéressée par toi, là, tu peux commencer à faire des roses, etc. Mais dès le premier rendez-vous, tu arrives, tu fais genre dîner aux chandelles, roses, comme ça, machin, elle va dire, mais c'est quoi son problème? C'est quoi son problème? Donc, c'est contre-intuitif, mais quand tu agis comme ça, tu es juste en train de faire l'opposé de ce qui va l'exciter. Hein, dédicace à Will Smith, qui jusqu'à maintenant, il n'a pas compris comment faire de façon à ce que sa femme l'aime. Ah. Donc, je sais, au début, je t'aimais Jada. Dédicace. Au début, j'avais pas prévu de mettre ce passage. J'ai dit, ah, c'est cadeau. En plus, elle est juste avant, comme par hasard. C'est quand même abusé, quand même. Le gars, il met la femme d'un gars dans le jeu. C'est abusé, quand même. Hein, parce qu'on sait tous qu'ils sont en open relationship. Donc, il n'y a pas de problème, normalement. Hein, bon. En tout cas, voilà. Je savais que tu allais aimer cette petite dédicace. Bon, en tout cas, pour revenir. Alors, pourquoi tu dis, mais pourquoi il simple, ça, c'est bien ce qu'il veut, tout ça, machin. Ben, en fait, non, ça ne fonctionne pas. Tu vois, là, il est en mode, ouais, je ferai tout ce que tu veux. Dis-moi qui je dois être. Dis-moi, il a dit, ouais, je ferai tout ce qu'elle veut. Je deviens tout ce qu'elle veut que je devienne. Il est déjà en train de vouloir passer la serpillière. Il veut déjà être sa chose. Les femmes n'aiment pas les hommes comme ça. Les femmes aiment les hommes, déjà, d'une part, qui vont pas parler comme ça, comme un fan à la télé, publiquement, comme ça, d'elle, déjà. Si c'est pour réellement vouloir avoir une relation, en tout cas, avec elle. Et deuxièmement, la base, les gars, si jamais tu la traites comme une star, elle te traitera comme un fan. Donc déjà, dès le début, il commence mal. Dès le début, il commence mal. Comment tu veux qu'elle soit attirée par un gars comme ça? Est-ce que quand la manière dont il parle, est-ce que tu ressens, même si tu ne sais pas ce que ça veut dire exactement, alpha, mais tu as peut-être un concept de loin, est-ce que quand il agit comme ça avec elle, est-ce que ça renvoie l'image d'un alpha à ses yeux? Est-ce que ça veut dire que c'est un bouffon? Non, c'est pour ça que c'est bien, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo, pour montrer la différence, ça n'a rien à voir. Est-ce que ça veut dire que c'est un bouffon? Non. Est-ce que ça veut dire qu'il ne peut pas avoir de succès? Non. Est-ce que ça veut dire qu'il ne peut pas avoir un problème, une embrouille et tirer sur quelqu'un et tuer quelqu'un d'autre? Non. Tu vois? Mais en tout cas, lorsqu'il s'agit de traiter avec les femmes, en tout cas avec une femme, en l'occurrence Megan Good, pour cet exemple, il est incapable d'agir comme un vrai homme. À aucun moment, même si c'est contre-intuitif, tu te dis « Ah là, si je lui achète des roses et tout ça, elle va kiffer, etc. » machin, machin. Non, il ne t'investit jamais plus qu'une femme. Ok? Si jamais tu vois qu'elle s'investit, là, tu t'investis. Après, les femmes vont dire « Mais non, mais c'est n'importe quoi, etc. » Ben, pourquoi l'homme est obligé de faire ça? Parce que vous, les filles, vous avez l'attention de tous les hommes. Vous discutez déjà avec plusieurs hommes en même temps. Donc, quand la femme, elle décide de te donner plus d'attention, ça veut dire qu'elle décide de s'investir un peu plus avec toi. Ça veut dire que ça peut être, l'investissement, ça peut être quoi? C'est genre, quand tu lui écris, elle te répond plus. Tu vois, elle te met pas juste OK. Elle va te poser des questions. Elle va être investie. Et à ce moment-là, tu peux t'investir. Mais si tu t'investis plus qu'elle, tu sais pas si jamais elle est intéressée réellement par toi, en fait. Elle est intéressée par un autre gars. Et en plus, en général, quand tu t'investis plus qu'elle, ça fonctionne pas. Okay? À moins que dès le début, elle t'a kiffé. C'est Burning Desire. Donc là, tu peux faire toutes les erreurs du monde. Ça passera. Après, n'exagère pas non plus, quand même. Donc voilà un exemple pur de quand tu simpes. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est un bouffon, ça ne veut pas dire qu'il est teubé, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas réussir, ça n'a rien à voir. Maintenant, ce qui concerne Megan Good, c'est sûr qu'elle ne va pas être intéressée. Okay? D'une part, de la manière dont il a agi. En fait, elle est hypergame. Elle ne va pas se mettre avec un gars qui genre la voit comme si c'était. Il n'a jamais eu une meuf comme ça de sa vie, tu vois. Et en plus de ça, ça ajoute le fait qu'il a 20 ans en moins que elle,
au moins, parce que lui, il a 20 ans et elle, je pense qu'elle a au moins, elle a plus de 40 ans. Les femmes, en général, aiment les hommes qui ont plus d'expérience. Donc, ça ne correspond pas, tu vois. Et en plus, la manière dont il agit, à la limite, parce que tu vas dire, ouais, il y a les cougars, etc. Les cougars, les gars, c'est parce qu'elles n'ont pas le choix. Les femmes préfèrent avoir des hommes qui ont au moins le même âge ou qui sont plus âgés. Après, il peut toujours avoir des exceptions, mais c'est juste que les hommes de son âge, à elle, de Megan Coud, eh ben, c'est compliqué pour elle de les avoir puisqu'elle est en compétition directement avec des filles qui ont 20 ans en moins, par contre, pour le coup. Donc clairement, je pense qu'elle ne sera pas du tout intéressée. Peut-être que ça va la flatter, évidemment, ça c'est sûr, et il n'y a pas de souci pour ça. Peut-être qu'elle ira en date avec lui, peut-être même qu'ils vont rentrer en intimité, mais ça n'ira pas plus loin, tu vois. Et c'est souvent un problème notifié des femmes qui ont plus de 40 ans, qui sont encore fraîches et qui s'entretiennent. Elles disent « Ouais, je ne comprends pas, j'attire que les jeunes. » Même Jilo, elle avait dit ça une fois. Et il y en a plusieurs encore, j'ai oublié le nom de... Une autre influenceuse. Qu'avait dit ça. Bah, c'est souvent ce qu'elles disent en fait. Ouais, je comprends pas, j'attire que les jeunes, je pense que c'est l'énergie. Non, c'est parce que c'est pas l'énergie, c'est que les gars qui ont ton âge, bah, ils ont accès, t'es en compétition directement avec les 10 femmes qui ont 15 ans en moins que toi. Et les jeunes en général, comme ils ont pas de game, ça leur pose pas de problème. Ils ont 20 ans, ils vont pas dater une meuf de 15 ans, tu vois. Donc, vu qu'ils ont genre 20 ans et qu'ils ont pas d'expérience, ils disent, ah, oh, elle est trop fraîche, etc. Voilà, mais tu restes avec un gars comme ça, même une femme qui a un peu de bon sens, elle voit très bien qu'elle peut pas se projeter avec un enfant de 20 ans. Tu vas faire comment? T'as 40 ans, tu sais très bien que dans 10 ans, t'as 50 ans, lui il a 30 ans, il arrive à son pic. Voilà, il n'y a rien de sérieux là. Bref, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, filles ou garçons, restez respectueux, respectueuses. Hein. Calmons-nous, je sais que c'est toujours des sujets où tout le monde est très émotionnel. Hein. Juste calmez-vous les gars, on peut le faire dans le respect. De toute façon, les gens qui me suivent sont dans le respect en général. Hein. Lorsqu'ils posent leurs idées. Donc, si jamais tu veux plus loin avec moi, sache qu'il y a Zeus, le secret de la nature féminine. Ça, c'est la base. Aujourd'hui, tu ne peux pas te passer de ça. Il y a un gars qui m'a envoyé un message il n'y a pas longtemps. Il m'a dit, oh, je comprends pas, jusqu'en 2014, tout se passait bien. Et puis, j'ai l'impression qu'après 2014, il y a un shift, le game, il a changé. Allez, les gars. Pour ça, la nature féminine, les gars, vous n'avez plus le choix. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a Funnel Tinder aussi, où je te montre comment avoir des dettes en illimité. Cadeau. Et puis, surtout, l'essentiel, la base, hein, c'est surtout... crée ton business en ligne, ok? T'es pas obligé de passer par moi, mais en tout cas, crée ton business en ligne. Tu peux pas rester comme ça sans rien faire, c'est pas possible, ok? Donc c'est tout les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je vais ton camp.